Salut à toi, petite vidéo pour te faire part du bilan de l'année 2019. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Quels ont été mes gros accomplissements, mes erreurs également? Et surtout, on va parler des objectifs de l'année 2020. Donc vers où je m'en vais en 2020, quels sont les objectifs et quels vont être les challenges. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que cette vidéo va t'intéresser et surtout va te motiver à vraiment tout exposer. Cette vidéo, je me trouve à Cancun, donc désolé, là je vais pas te faire visiter parce que c'est une journée un peu pluvieuse malheureusement, mais bon, ça m'empêche pas de tourner des vidéos. Donc là, je suis venu à Cancun pour un peu me récompenser de cette année qui a été vraiment mouvementée. Si tu me suis, tu sais qu'il y a eu pas mal de changements par rapport à ma situation. Donc justement, le premier changement qu'il y a eu, c'est que en février 2019, j'ai enfin quitté mon emploi après près de 6 années d'esclavage moderne, comme j'aime dire maintenant. Donc c'est quoi l'esclavage moderne? C'est tout simplement travailler pour un patron et être dépendant d'un contrat de travail. Donc pour moi, ça c'est de l'esclavage moderne dans le sens où tu es obligé finalement de travailler pour subvenir à tes besoins, pour payer tes factures, pour vivre en fait. Donc c'est même pas, pour moi, c'est même pas vivre, c'est de la survie en fait. Donc c'est la raison pour laquelle justement je me suis tourné vers l'investissement immobilier pour finalement me libérer de cette prison là et finalement être libre de voyager, être libre de faire ce que je veux, être libre de créer mon entreprise, etc. Donc vraiment, 2019 a été une année marquante à ce niveau-là parce que c'est l'année où j'ai finalement quitté mon emploi et où je suis devenu libre financièrement grâce à l'immobilier. Et j'y suis arrivé vraiment grâce à plusieurs années de formation, plusieurs années de sacrifice où je me suis donné corps et âme pour atteindre ces objectifs-là. Deuxième autre fait marquant, c'est quoi? C'est que je me suis fait accompagner par un business coach qui s'appelle Jonathan, que je salue d'ailleurs, qui m'a vraiment permis de créer, structurer mon business parce que ça faisait des années, enfin ça faisait plus d'un an que j'essayais de me lancer sur internet et enfin j'avais déjà une communauté, j'avais déjà une certaine audience, mais malheureusement je n'arrivais pas à promouvoir nos services, à promouvoir les offres, etc. Donc une fois de plus, d'où l'importance de se faire accompagner par des personnes qui ont ce que toi tu veux finalement. Donc j'ai investi dans ce programme de coaching et ça m'a littéralement fait exploser en fait, parce que en moins de quelques mois, on est passé vraiment parmi l'une des plus grosses firmes d'accompagnement au Québec et on commence vraiment à avoir un poids au niveau francophone en fait, parce qu'on a littéralement la plus grosse chaîne YouTube en francophonie au Québec, au Canada. Et voilà, le nombre ne cesse de croître, etc. On a pas mal de participants qui rejoignent nos programmes, etc. Donc vraiment, ça a été également un fait marquant. Donc le fait de créer cette société Global Investisseur, qui existait déjà, mais qui n'était pas... c'était le nom de mon blog, mais là, vraiment, on a créé une société, on a des bureaux, on a une équipe qui travaille avec nous. Donc voilà, on a des partenaires formidables, etc. On accompagne des centaines de participants dans leurs projets d'investissement immobilier. Donc tout ça en fait, c'est grâce à tout simplement au fait d'avoir suivi ce programme de coaching qui m'a vraiment permis de structurer, avoir le bon mindset, structurer mon entreprise et vraiment croître très rapidement, parce que la croissance qu'on a eue, clairement c'est une croissance exponentielle en fait, parce qu'on a fait vraiment, c'est parti en flèche comme on dit. Donc il y a eu ce fait là, ce deuxième point. Le troisième point également, ça a été de s'ouvrir en fait à l'international. Bon, c'est un peu la continuité de la création de la société. Donc là, on a ouvert une structure, on a plusieurs entreprises, maintenant on a ouvert une structure aux États-Unis, donc une structure d'édition qui promouvoit en fait toutes ces vidéos YouTube que tu vois, qui promouvoit des programmes de formation en ligne, qui organise des conférences en ligne, etc. Et qui accompagne également des investisseurs pour des projets d'investisseurs, pour des projets immobiliers à l'international, aux États-Unis notamment. Donc voilà, c'est une structure qui a été créée en fin d'année et qui va vraiment permettre à plus de personnes de profiter de nos services à l'international. Donc pour te dire qu'on ne se limite pas que au Québec et que à la France, mais on tend de plus en plus à l'international pour les personnes qui sont intéressées, bien évidemment. Autre point qui a été un fait marquant en 2019, ça a été la création d'un fonds d'investissement. Donc j'ai créé un fonds d'investissement depuis quelques mois, donc
C'est, ça a été à peu près 6 mois après la création de la société Global Invest à Montréal. Donc on a lancé un fonds d'investissement pour permettre finalement aux personnes qui ne souhaitent pas investir en immobilier directement, qui n'ont pas le temps, tout de même avoir une source de revenus passive. Dans le sens où c'est des personnes qui ont peut-être les moyens d'investir mais qui n'ont pas le temps de par leurs responsabilités personnelles, de par leur travail également. Ce n'est pas tout le monde qui veut devenir financièrement avec l'immobilier, mais il y a des personnes qui souhaitent quand même se générer des revenus passifs parce qu'on s'entend bien que la retraite, il ne faut même pas y compter. Tu vois. Donc on a lancé un programme qui s'appelle Global Invest Capital Management. Donc c'est un fonds d'investissement qui permet en fait aux personnes d'investir en immobilier avec nous. Donc nous, on va trouver les deals et on emmène les personnes sur des projets et on gère tout. Et eux, tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des intérêts ben, qui touchent tous les 3 mois en fait. Donc c'est vraiment intéressant, on a constitué ce fonds-là. Je suis moi-même aussi participant dans ce fonds-là parce que j'ai investi l'argent dans ce fonds-là. Et ben voilà, pour moi c'est une nouvelle source de revenus alternatifs qui vient augmenter mes revenus mensuels in fine. Quoi. Donc pour le moment, ce fonds il est restreint à un petit groupe de personnes. Donc on a environ une dizaine. Donc il y a des personnes comme moi, il y a des partenaires à moi qui se sont investis dedans. On a également d'anciens participants de nos programmes de coaching à haut niveau qui se sont également investis dedans. Et voilà, ce fonds-là permet de partir sur des acquisitions plus importantes, donc des immeubles, des achats-reventes en France. Là également, on est en train d'investir en Indonésie, à Bali. Donc c'est juste pour te dire que le rayonnement international va de plus en plus présent en fait au sein de nos activités tout simplement. Donc ça a vraiment été les quelques faits marquants de 2019. Tout ça pour te dire que vraiment il faut que tu passes massivement à l'action. Parce qu'en une année tu peux faire ce que des personnes font peut-être en 10 ans ou en 5 ans, clairement. Parce que moi l'année elle est passée vite, tu vois, elle est passée extrêmement vite. Mais je peux te dire qu'en termes d'accomplissement personnel, en termes de résultats, en termes de challenge, en termes d'obstacles, en termes de difficultés, en termes de tout en fait, c'est aller super vite. En termes d'expérience, de rencontres, tout, c'est aller super vite. Et moi j'ai l'impression que ça fait, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 ans, tu vois, c'est passé vite, mais j'ai eu tellement d'expériences et j'ai appris tellement de choses que franchement je t'invite à vivre ce type d'expérience. Il n'y a pas plus enrichissant comme expérience en fait, il n'y a pas plus enrichissant que de vivre une expérience entrepreneuriale, une expérience en tant qu'investisseur, car ça te menait à voyager, à rencontrer des personnes, à surmonter des challenges. Donc vraiment, je t'invite à faire le nécessaire pour au moins investir en immobilier ou trouver un moyen de devenir libre financièrement et mettre en place tes propres projets personnels. Donc maintenant, 2020, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Donc 2020, ça va être une année vraiment pour moi décisive. Car il y a de gros projets d'investissement, il y a des gros projets de business, on va lancer de nouvelles sociétés, on va accompagner encore plus de personnes pour les aider à atteindre leurs objectifs immobiliers. Donc voilà, je n'ai pas fait de liste détaillée, mais je vais t'évoquer quelques points pour l'année 2020. Alors pour 2020 déjà, en termes de réseaux sociaux, on vise les 100 000 abonnés en fin 2020. Donc là c'est dit, c'est clair, on veut être l'une des premières chaînes en francophonie qui traite de l'immobilier, du business, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, des finances personnelles. Donc voilà, c'est tous les sujets que nous traitons sur cette chaîne. Donc on ne parle pas que d'immobilier, on parle beaucoup de mindset, etc. Donc on vise littéralement les 100 000 abonnés pour 2020. Deuxième chose, c'est qu'on va également ouvrir une société en Asie, en Indonésie, pour pouvoir justement investir là-bas. Donc là, c'est en cours. Au moment où je te parle, on est en train de signer les papiers. Et voilà, on aura une société en Asie qui sera également actionnaire, enfin dont la société canadienne sera actionnaire pour justement les personnes qui investissent avec nous dans le fonds d'investissement pour pouvoir faire des acquisitions en Indonésie. En termes d'immobilier également, je prévois faire plusieurs acquisitions dont celle en Indonésie. Je prévois 2 nouvelles acquisitions, donc une voire 2 en France et également une au Québec, donc une plus grosse. Parce que en 2019, voilà, j'ai fait que 2 petites acquisitions. Mais voilà, j'ai quand même. J'ai atteint mes objectifs en termes de nombre, mais pas en termes de. C'est-à-dire en termes de capital, en fait. En termes de capital. Donc, moi, j'ai visé à peu près. Plus d'un million d'acquisitions immobilières. Là, j'ai fait à peu près 2/3 de cet objectif-là. Mais j'ai quand même fait 2 nouvelles acquisitions. Donc, c'est pour ça que là, en 2020, je vais rattraper le coup.
en faisant de plus grosses acquisitions. Donc je vise, en termes d'acquisition, je vise au moins 1 million, 1 million 5, histoire de rattraper un peu le retard de 2019. Donc il y a également ça, donc, comme j'ai dit, la création d'une nouvelle société. En termes d'accompagnement, on va accompagner plus de personnes pour 2020. Donc on a prévu d'accompagner le double de ce qu'on a accompagné en 2019. Donc on a eu quand même de très bons résultats, il y a des témoignages, il y a même des personnes qui ont eu de bons résultats mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire leur témoignage parce que voilà, elles sont à fond dans leur projet. Mais voilà, juste pour te donner quelques chiffres, on a accompagné près de 33 personnes, donc moi y compris parce que je me considère comme participant, même mes partenaires, donc on a accompagné un total de 33 personnes. On a fait près de 12,5 millions d'acquisitions, que ce soit en France, au Canada, dans d'autres pays dans le monde, parce que voilà, on a des participants qui sont un peu partout, donc ils sont répartis un peu partout sur la planète. Donc j'ai fait un peu le point des acquisitions, plus mes acquisitions, plus les acquisitions de mes partenaires. Donc voilà, on est un groupe de 33 à peu près, et avec un taux de réussite supérieur aux 70%, ce qui est très rare, ce qui est très rare parce que la plupart des formateurs, des formations, etc. en ligne, voilà, les taux de réussite sont, quand tu as fait 18%, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pour ça que vraiment nous, on accompagne un petit groupe de personnes qu'on coach, qu'on forme, qu'on suit pour les pousser vraiment à atteindre les objectifs et aussi qu'on sélectionne, parce que c'est pas tout le monde qui a le bon mindset et qui a la bonne motivation et l'engagement nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs en immobilier. Donc c'est pour ça que le taux de réussite est élevé, parce qu'il y a un travail également en amont de sélection pour être sûr que bon, voilà, la personne en question va pouvoir aller jusqu'au bout, en fait. Donc c'est pour ça que 2020, on compte faire le double. On compte faire le double, donc accompagner environ une cinquantaine voire soixantaine de personnes sur des projets immobiliers. Donc, et parmi ces personnes-là, il y aura également des personnes qui vont investir dans des fonds, dans notre fonds d'investissement, pour pouvoir tout simplement se libérer de la tâche d'aller chercher des logements, d'aller faire des visites, d'aller gérer les travaux, les locataires. Voilà. Donc on va ouvrir quelques places dans notre fonds d'investissement pour que ces personnes-là puissent se générer des revenus passifs. Autre chose également en termes d'événements, donc on a fait un événement, on a fait notre premier séminaire, le Global Invest Summit qui s'est donné à Montréal. Donc c'était vraiment formidable. Il y a eu près de 110 personnes. Voilà, ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Donc si tu n'y étais pas, franchement, je ne sais pas où tu étais, mais tu as raté quelque chose. Donc là, cette année, en 2020, on va également faire un deuxième événement, voire même plusieurs. Sûrement un événement en France, un autre événement à Montréal. On va également, on tend aussi à commencer à faire des événements à l'international, donc en Afrique, dans d'autres pays d'Europe, etc. Donc tu seras informé de ça. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas le cas, parce que toutes les infos vont passer sur la chaîne, dans la mailing list, etc. Moi, d'un point de vue personnel aussi, c'est que 2020, je prévois beaucoup voyager. Donc ça, c'est mon objectif aussi. Et de permettre aussi à ma conjointe de se libérer, en fait, de cet esclavage moderne. Donc ça, c'est l'un de mes challenges personnels, de faire le nécessaire pour qu'elle puisse quitter son emploi cette année. Et parce qu'on prévoit de faire un petit tour du monde à la mi-2020, donc de partir à peu près 3-4 mois. Tant qu'on a la force et le temps de le faire, il faut en profiter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on est à Cancun, on est venu. Bon, elle est, je sais pas où elle est, mais voilà. Bref, donc je prévois de voyager 4 voire 5 mois dans l'année, donc je serai hors du Canada. Rencontre, participer à des événements, échanger, vivre de nouvelles expériences, en fait. Je prévois aussi de suivre de nouveaux programmes de formation. Donc là, j'ai rejoint un mastermind d'entrepreneurs à haut niveau. Cette année également, je pense que je vais rejoindre un autre groupe, parce que moi, l'idée, c'est de vraiment intégrer différents groupes d'entrepreneurs pour élargir mon réseau, apprendre davantage, rencontrer de nouvelles personnes. Donc cette année, je vais rejoindre un nouveau groupe d'entrepreneurs et investisseurs. Je ne sais pas encore lequel, je commence un peu à me renseigner. Et également, je vais suivre un programme de coaching, parce que je prévois aussi, je vais faire deux programmes de coaching. Il y aura un programme de coaching sur l'immobilier en Asie, justement, et l'immobilier commercial au Canada. Et je vais également suivre un autre programme de coaching pour tout ce qui est acquisition d'entreprises, en fait. Donc, le fait d'acheter des entreprises, parce que ça, c'est un projet que j'ai sur, quand je dis moyen terme, c'est un peu trop de dire ça, mais c'est plus pour 2021-2022. Je vais commencer à me lancer dans tout ce qui est rachat d'entreprise, donc business acquisition, en fait. Donc une fois de plus, et je ne cesse de le répéter, quand tu vas atteindre des objectifs, il faut te former. Donc pas se lancer comme ça. Donc moi, je me suis renseigné par rapport à ça. Je suis en train de
J'ai trouvé quelques experts dans le domaine vers qui ben, je vais me rapprocher sûrement cette année et vers qui je vais tout simplement ben, investir en termes de coaching, de formation pour atteindre mes objectifs tout simplement. Donc voilà, donc petite vidéo un peu récap. Donc franchement, 2019, ça a été, à chaque fois que je dis que c'est la meilleure année de ma vie, ça a été le cas en 2018, 2017. Mais voilà, je pense que vraiment ça a été une année très marquante, très 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 marquante. Et pour toi qui me suis, je te remercie beaucoup de me suivre déjà, de partager les vidéos, de mettre des commentaires, de mettre des pouces bleus. Car voilà, c'est vraiment une expérience formidable et que moi je souhaite en fait vivre avec toi et de te partager tout simplement. Donc 2019, ça a été vraiment une année extraordinaire, franchement extraordinaire. Je suis vraiment content, très content de ce qui a été accompli, très content de la progression en fait. Et je pense que 2020, là, on va vraiment tout exploser. Quand je dis tout exploser, c'est que vraiment, franchement, les gens, ils sont pas prêts. Là. Ce qui va se passer, là, voilà, il y a quelques petites informations que je t'ai pas données, mais pour te faire de la surprise, en fait, le moment venu. Mais il y a des passages télé de prévu, il y a des apparitions dans des journaux, etc. Donc, voilà, je te donne quelques petits indices, mais sache que 2020, ça va être vraiment la folie. Et je pense qu'on va vraiment casser la baraque et vraiment se positionner en tant que leader de notre marché. Parce que moi, c'est l'ambition, tu vois. Avant, j'étais en mode, ouais, on fait les trucs tranquilles et tout. Non, mais là, c'est vraiment pas. On va être les numéros 1. Quand j'y vais, on va être les numéros 1, c'est qu'on va tout exploser. On va tout exploser. Tu vas rien comprendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier. Voilà, moi, je te dis à très bientôt. Je serai toujours à Cancun. J'espère qu'il fera un peu plus beau parce que là, ben, il pleut malheureusement. J'aurais aimé te faire profiter du paysage, mais bon, tu seras dans la prochaine vidéo. Donc, reste bien connecté. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours à Cancun. Et voilà, je te souhaite le meilleur pour ta réussite.